Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de Spider-Man. Et alors, après petite concertation avec le chat, nous allons effectivement pas faire tout le 100%. On va se contenter, on va dire, des missions les plus importantes. Genre ce qui est assez annexe. Enfin, ce qui est annexe, mais qui a une narration, qui a un minimum de narration. Parce qu'en fait, si on commence à tout faire, ça va prendre du temps. Et je pense pas que ce soit très intéressant pour... Que ce soit très intéressant pour vous. Non, c'était pas moi. Je veux dire, quel tour? Ah merde, attendez, j'ai pas fait assez fort. Je crois que c'est là le son qui est bien. Le signal et que cette personne utilise plusieurs dispositifs pour couvrir toute la plage de fréquence. Vous voulez bien jeter un œil? Mais oui, je vais t'en jeter un œil. Je vois plutôt ça comme du partage, même. Ok. Moquette d'ailleurs, petite HS story. Attends. Mais tu as toujours sur toi les redifs des Moquettes TV. Car tout a été sub Twitch comme les purifiés. Moi, ça. Oh là là, alors non. Je t'avoue que ça c'est compliqué. Il me suffit de le suivre. Ok, je vais m'enlever de l'écran parce que... Ah ouais, non, c'est compliqué ça, parce que, bah... Il y en avait sur mon ancienne chaîne. Et du coup, bah, je l'ai plus, donc ouais, c'est un peu compliqué ça, hein, je t'avoue. Le siècle oublié, finalement. C'est un peu ça. Les signaux les plus forts proviennent sûrement des toits. Wouhou! Ouais, non, c'est compliqué, hein. Des hommes de fisc, ça pourrait être une surprise. Salut les potes! Oh putain, eh, je suis vraiment le mec le moins discret du monde. Ah bah, du coup, ouais, c'est ça, c'est en fait, il aura fallu être là, hein, pour le siècle oublié. Si vous étiez pas là, bah, c'est. Ouais, c'est. Malheureusement, c'est. Après, oh putain. Si un jour je rencontre Monsieur Google ou un truc comme ça, si je trouve des grands dirigeants de Google, peut-être, hein, que ce serait possible de retrouver ça. Hein, parce que en fait, ma chaîne a été fermée. Et je juste... parce qu'elle s'est pris 3 strikes. Mais peut-être que, voilà, il suffit de connaître les bonnes personnes, les bons contacts, et puis c'est possible de... C'est possible, tu vois. Ça a été sup instant sur Twitch il y a quelques semaines. Ah ouais? Ah, parce que avant, en gros, avant ça y était et plus maintenant. Ah, c'est peut-être... ouais, je sais pas. Soit c'est une affaire de droit, soit, je sais pas, ils essayent de faire de la place, ils se disent, bah, la chaîne, elle est plus active. La chaîne est plus active depuis 10 millions d'années. Y'a plus rien, c'est chelou. Ah ouais, c'est chelou ça, par contre. Je sais pas du tout. J'ai détruit un dispositif de brouillage. C'est mieux? Non, mais comme je le disais, il devrait y en avoir plusieurs. Logique. Je vais les trouver. Je vais les trouver, ma bonne dame. Je te demande si c'était pas les hommes de Fisk qui avaient neutralisé le système au départ. Mais si t'es actif, t'es en live, là. Ah, je pensais que tu parlais de mon autre chaîne de Twitch, moi. Je pensais que tu parlais de Moquetol. Hop là. Hop là. Non, calmez-vous. Je parle bien de l'actuel. Ah, ok. Ah bah, je sais pas. Je regarderai, j'essaierai de regarder, mais... Hop là. Bon, après, est-ce si grave que ça, hein? Vraiment, les premières moquettes TV... Aïe! Il y a des trucs, oui, c'est dommage, je suis d'accord. En vrai, il y a des trucs, c'est dommage, c'est vrai. Mais oh, purifie-moi ça, c'était drôle. Eh oh, ça va, oui. Ça va pas la tête. Hop là, ça dégage. On se débarrasse du brouilleur. Alors.
Hop là. Parfois, tout casser est une solution. Et ça fait du bien. Salut Zodiac, ça va? Il y a des trucs comme prévivre ça ou c'était bon délire? Je commence à capter un signal faible. C'est confus, mais je crois qu'il est question de Fisk et de tenue. Fisk était un trafiquant, mais il faisait pas dans la contrefaçon de vêtements. Plus vite j'aurai restauré le système, plus vite je saurai ce qui mijote. Putain, mais c'est les lumières là, je les trouve magnifiques, putain. Il reste plus qu'un brouilleur. Et le truc le plus ouf, c'est que c'est vraiment en deçà de fou du deuxième opus, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est magnifique et le 2 est tellement plus magnifique encore. Enfin, c'est en temps fort. Bah ouais. Rien de bizarre ici. 2018, putain, le Covid n'existait pas. 2018. Oh, à l'aide. À l'aide. Dans ma tête, c'était hier. Cherche continue, y a rien ici. Quel grand building du quartier, j'ai pas encore contrôlé. Moi, ça m'effraie, tu vois, genre. Moi, ce qui m'effraie, c'est par exemple par rapport à M50, tu vois. Genre, quand je me souviens vraiment comme si c'était hier des premières réunions de M50. Trouvé. Et quand je vois que, bah voilà, on est encore dessus là actuellement, mais ça arrive, hein. Vraiment, ça arrive. Hein. Là, ça arrive, mais je me dis, mais putain, mais... Bordel, ça aura pris tellement de temps. En fait, ce qui me terrifie, voilà, c'est ça ce qui me terrifie. Ce qui me terrifie, c'est qu'il y a de grandes chances que l'épisode sorte un an après qu'on ait dit fin de tournage. Tu vois. Et je trouve ça fou que le temps passe aussi vite. Parce que pour moi, c'était il y a quelques mois. Et je suis en mode, mais bordel, bah ouais, effectivement, ça aura pris du temps, quoi. Dégage. Il y a encore quelqu'un? Non, c'est bon. Bien, c'était le dernier. Le système devrait à nouveau fonctionner. Spider-Man, le système anti-crime est reparti. Super. Let's go. Tu nouveau sur les armes de Fisk ou c'est tenu? Non, mais le système signale une activité illicite quelque part sur les quais. Je vous envoie les coordonnées. Je vais voir ça. Vraiment, mais ça, je trouve ça tellement beau. Et pourtant, mais dans le 2, c'est tellement plus net. C'est fou le progrès. On n'arrête pas le progrès, hein, moi je vous le dis. Wouhou! Bandai! Quoi? Le mec qui fait tous les bruitages insupportables. Je vais pas tarder à acheter Miles Morales d'ailleurs maintenant que j'ai la PS5. Ah, stylé ça! Et en vrai, ça sera cool quand je le referai. Bon, après, j'aurai pas l'écran, mais ça sera cool de le refaire en upgrade graphique, du coup. Quand on le fera en let's play, bien sûr. Phase 5, hein, ça arrive fort. Des armes et suffisamment pour monter une petite armée. Je sais pas ce qui... Mais le 2, c'est DLC. Mais ça me plaît pas. Dire que celui de 2018, je l'ai acheté instant, mais en même temps, j'avais déjà la PS5. Ah bah pareil, moi, ça a pas traîné. Hein. Les dodos. FF7 Rebirth, c'est bien. Ouais, j'avoue. Ah, lui, j'ai pas trop. Enfin, lui, vraiment, je l'achète pas direct du tout. Hein. Lui. Le seul truc qui me fait peur, c'est les spoils, tu vois. Mais j'ai pas du tout. J'ai pas trop l'envie de le faire. Oh putain, c'est tellement beau. Oh, l'eau est tellement belle. Disons que la première partie m'a pas suffisamment hype pour. Même si c'était cool, hein. Tiens. Mais ouais, le Spider-Man Frame 1 aussi, c'était, hein, je me souviens très très bien. Fnac de Montparnasse. Enfin, pas à Montparnasse, mais à la Fnac dans la rue d'en face. Maintenant, je vais peut-être comprendre ce qui se passe. Avec les chèques cadeaux de ma sœur, du coup, c'était gratuit. Et je l'ai lancé après manger chez moi. Parce qu'il fallait l'installer. Donc après manger. Et je me souviens, j'étais tellement mort de ma semaine que j'y avais joué... J'avais fait le combat de Fisk et c'est tout. Après, j'étais allé me coucher et puis
En mode demain, ça va être bien. Des armes, des uniformes de gardien de prison et des faux papiers. Il comptait faire sortir Fisk du raft. Hein? Oh non, des méchants. Désolé, mais votre plan d'évasion tombe à l'eau. Ça, franchement, ça, je l'avais pas vu venir, perso. Aïe! Oh, j'aurais dû filmer ça! Mais en fait, ce qui est chiant avec, avec FF7 aussi, c'est que c'est un peu comme... J'allais dire, c'est un... J'allais faire un comparo horrible. J'allais dire, c'est un peu comme Wakfu, quoi. C'est-à-dire que... Moi, il y a plein de rêves que je les ai pas et tout, parce que je suis pas suffisamment Enfin, j'ai pas suffisamment regardé pour tout comprendre. Oh putain, ça doit faire tellement mal. Tu t'es fait une bonne introduction, en vrai, en t'arrêtant à Fisk. Bah, en vrai, ouais, c'était un bel épisode 0. Le New York va pouvoir prendre le relais. Tout est bon de mon côté aussi. Merci d'avoir restauré le système, Spider-Man. Je dirais à personne que vous êtes connecté, mais si vous vous faites prendre, il faudra pas compter sur moi. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Si vous permettez, j'ai des selfies à effacer sur les serveurs du système anticrime. Let's go. Ok, donc ça c'est fait. J'essaierai de changer la météo aussi, histoire qu'on soit pas tout le temps. Même si j'adore cette météo, mais histoire. Enfin, vous, si c'est pas votre préféré, j'essaierai de varier. Je me souviens plus si c'est intéressant ça, les trucs violets. Je me souviens plus si c'est intéressant. Alors, là il y a une autre mission, là il y a Black Cat, on va faire Black Cat. Black Cat c'est important parce que on va faire le DLC après, c'est sur elle donc. En gros, le mieux pour FF7 c'est d'avoir fait Crazy. Oula, je reviendrai jamais, c'est sûr. Tu comptes faire quelques stations d'Harry? En vrai, par moments, c'est original, ça change le gameplay. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, mais... Mais de toute façon, je crois que j'en avais fait quelques-unes de missions. Bah, là, le but, c'est surtout de faire vraiment des trucs narratifs, tu vois, histoire de pas vous ennuyer. Tu vois, j'ai pas envie qu'on passe trop de temps... Sur Spider-Man ces temps-ci, et je l'avoue, je peux le comprendre. Il m'a écouté après tout. Et en fin de compte, il a agi en conséquence. Ouh. Mais calmez-vous, ok? Je sens bien que ça lui monte à la tête. Bon. Regardez-le. Par contre, je me souviens pas. Oh, mais il casse les couilles. Il casse les couilles à parler. Je me souviens plus si quand tu fais quand tu lances un DLC, est-ce que ça laisse les quêtes originales Yu-Yo? Parce que du coup, moi, j'avais fait le 100% avant que le DLC sorte, mais du coup, je me souviens plus, est-ce que quand tu lances la map en mode DLC, est-ce que ça te laisse les mêmes collectifs collectibles? Je me souviens plus, je sais pas trop ça. Pour mieux apprécier les rêves, pour mieux apprécier les refs et le remake de... Et le remake, le FF7 original, mais en vrai, c'est pas si essentiel, non. Par contre, Crisis Core, ça a l'air important. Non, quand tu lances le DLC, la carte te met d'autres trucs. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est bien ce qui me semblait. Felicia aura bientôt atteint son objectif. Il faut que je l'arrête, et vite. Cet endroit est rempli de types de Wall Street. Autant de cibles potentielles. Alors, où es-tu, madame? Attends, d'ailleurs, l'autre jour, on jouait à... Enfin, on jouait à... Bah, avec le Moke Tool, justement. On jouait à Spider-Man 2. Elle a l'air de très bien connaître, et on s'était amusé à regarder où c'est habitait le frère de PE. Parce que le frère de PE, il vit à New York. Et du coup, on s'était amusé... Enfin, à Manhattan. On s'était amusé à essayer de retrouver son là où il était. En fait, c'est ils ont fait un autre truc à la place. Enfin, je crois que dans le jeu il y a un parc alors que dans la vraie vie il y a un immeuble. C'était rigolo. On va faire la mission là. Les pigeons aussi, on va essayer de faire les pigeons. Je suis combien là? Ouais, 14 minutes, ouais.
Oh, j'adore. J'avais checké s'ils avaient mis le mémorial des deux tours du World Trade Center, mais non, ils ont mis autre chose. Ah oui, ouais. Pardon. Quelle horreur, ça. Quel cauchemar. Je crois que c'est... Enfin, bref. J'ai pas trop envie d'en parler, en fait, tellement ça m'aurait... Enfin, en fait, je m'imaginais d'être dans cette ville à ce moment-là, et enfin, bref. C'est... On va pas y penser. Salut, mec! Spider-Man, j'ai pas mal d'autres étudiants disparus. Le club de débat a raté une réunion aujourd'hui. Tout le monde a disparu d'un coup. Une attaque coordonnée, ça prend de l'ampleur. Où ils ont été vus pour la dernière fois? Le président du club, Harold, est apparu dans l'album photo d'un touriste. Ah, ok. Attends, je change de tenue parce qu'en fait, j'en ai marre. Imagine être dans l'avion. Ah ouais, Allez. J'espère juste sincèrement que ça a été rapide. Enfin, pas le trajet, mais... Bref. Elle est drôle, cette tenue. C'est clairement le pont Brooklyn sur cette photo. C'est au sud-est de l'université. C'est ce que j'ai mis, c'est l'ordre chronologique de l'univers. Oui, ok. Ah, et puis ouais, j'ai fini Cowboy Bebop, et oui, ok, bon, bah, c'est très très bien, hein, c'est... On m'a conseillé Samurai Champloo aussi, qu'il faut que je regarde. Attends, c'est là, Brooklyn, non? Ah, je suis vraiment une demeure, quoi. Je suis une demeure en orientation. Tenue de Scarlet Spider, le clone de Spider-Man. Ah ouais? Putain, à chaque fois, j'ai le réflexe de vouloir mettre le Delta Voile. Mais je ne l'ai pas. Une fois que tu as goûté, c'est chaud de... Perturbation majeure dans le secteur du pont de Brooklyn, demande de renfort. Alors, je serais mieux de me dépêcher. Ouais, c'est là-bas. On dit pas trop, oublie pas que certains ont fait que le DLC 1 ici. Ah ouais? Bah, de toute façon, je vais rien dire, hein, vu que Pokéan n'en a fait aucun, je compte pas spoiler, ne t'inquiète pas. C'est sûrement eux. Le camion, il fuit. C'est l'explosif à raser tout le quartier. Je vois que certains n'ont pas fait. On fait que le. On que fait le. Ah, putain, pardon. Ah oui, ok, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais calmez-vous! Bah calmez-vous en fait. Mais non, mais en fait faut que je... Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attends. J'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse. Faut que je les tue. Non, mais... Faut pas que je les tue, faut que je ferme un... Ah putain, j'ai rien compris. Faut pas que je lance des toiles dessus? Il faut les étincelles à chaque fois qu'ils touchent le camion. Oh, il faut juste les empêcher de... Attends. Faut juste tous les buter. Ah putain. Dites, vous avez vraiment rien trouvé de mieux pour vous éclater? La citerne va plus tenir très longtemps. Oh putain, mais... Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oui, en fait, faut les empêcher de... Ok. Faut les empêcher de le toucher. Ah, oh, mais ça va aussi.
Coquin va. Coquin! Le préfixe est trompeur, mais inflammable, ça veut dire qu'il peut prendre feu. C'est bon ça. Salut Colin, ça va? Merci. Je savais que c'était mal ce que je faisais, mais... Coquin. Je pouvais pas m'arrêter. Coquin. Ça arrive souvent chez les étudiants. Ça ira, t'inquiète pas. Quel coquin. Bon, bref. Donc ça, c'est fait. Donc, alors, les défis, on les fait pas parce que vraiment, c'est long. Les entrepôts, c'est un peu la même chose. Donc, pareil, j'ai pas trop envie de le faire. Là, il y a une autre mission. Est-ce qu'on a fait tous les chats? Parce que les... Est-ce qu'on a fait tous les chats? Les chats, c'est important, mais... On les a tous faits? Ça m'étonnerait, quand même. Si? What the fuck is going on? Tu devrais par moment utiliser la toile qui expulse sur les murs. Faut avoir ce réflexe là, car ça aide beaucoup pour aller plus vite. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Cependant... Ah, je vais faire le sac, là. Je vais faire les sacs parce que c'est rigolo. Mais ouais, j'ai fait tous les chats. Ça m'étonne. Hop là. Non mais ouais, Cowboy Bebop, très très bien. Histoire très touchante. Les personnages sont bien traités. Et puis en fait, ça m'a un peu fait l'effet One Piece, quoi. À savoir, alors oui, il y a des intrigues qui sont moins intéressantes que d'autres. Oh là, vide-moi, il va la fermer. Il peut pas la fermer, hein. Hop là. Ouais, il y a des... J'ai aucun respect. Il y a des intrigues qui sont moins intéressantes que d'autres, mais en fait, du moment que c'est avec les personnages... En fait, c'est vraiment les personnages qui tiennent aussi qui tiennent beaucoup la série, et ce qui fait que, quand bien même les intrigues étaient moins intéressantes, tant qu'il y avait les personnages... Il y avait Spike, Ayn, Ed, tout ça, Faye, bah en fait, ça, c'était intéressant quand même. C'était intéressant quand même parce que ça développait les personnages d'une certaine façon. Et je trouve ça trop bien, les histoires comme ça, où en fait, c'est pas grave si c'est moins passionnant, tant que ça développe certaines choses. Les défis impossibles d'avoir de bonnes notes. Ah ouais, c'est chaud, hein, ça. Non, je crois que certains n'ont pas été faits. Il ne me restait que ça à la fin du jeu. Comme Baby Bolt, j'ai quelques souvenirs, mais j'avais bien aimé. Faut avoir la meilleure note pour le 100%. Je suis pas sûr, Colin. Je crois pas qu'il faille avoir la meilleure note possible pour le 100%. Parce que je me souviens très bien de moments où je visais pas ça et j'ai quand même 100%, j'ai fait 100% tous les jeux, donc... Donc je pense pas. Alors attends, où est-ce que c'est? Ça doit être en dessous. Ah, ça doit être en dessous, c'est ça? Voilà. Oh là là. Voir Spidey comme ça, ça me rappelle Madame Web, putain. Ah, je vous en supplie, n'allez pas voir Madame Web. Arrêtons d'encourager ça. Je dis ça, je suis allé le voir, hein, mais vraiment, je suis en mode, mais... Arrêtons donc... Ah, mais arrêtez cet univers, quoi. Mais vraiment, hein, c'est fou, hein. Attends, mais comment... Bah oui, j'ai sauvé New York, oui, et alors? Putain, j'arrive pas! Attends. Comment je peux faire? Mais... À l'aide?
Je suis en train de... Tu veux un selfie? Ah bon. Faut savoir. Hein. Soit tu veux un selfie, soit je te fais flipper. Putain, j'arrive pas à le choper. Attends, est-ce que si je m'accroche à ça... À l'aide? Je suis pas d'accord, mais j'ai tellement galéré pour les pigeons. Les drones, je m'en sors avec C et encore. Oui, c'est vrai que dans le noir, il fait un peu peur. J'avoue qu'il fait... On dirait un Venom... Bon, qu'est-ce qu'il veut, putain? Il traverse la route, là. Merci d'avoir fait arrêter ces flics. Oh là là, mais le gars, il en a rien à foutre. Hein. Il traverse en mode, bah, je peux peut-être mourir, mais je veux que Spidey me serre la main. Après, je le comprends. En vrai, il y a Angèle qui est là, ou Orelsan et tout. Bah oui, je traverse. Hein. Enfin, je vais sur la route. C'est un enfer. C'est un enfer. Je sais pas comment l'atteindre. Je sais pas comment l'atteindre. J'ai l'impression d'avoir lancé le jeu hier. Hein. Vraiment, tellement je suis nul. Putain, mais c'est un truc de dingue! Peut-être comme ça. Attends, je vais faire des lignes droites. C'est en ligne droite, je pense qu'il faut le choper. Oui, bah ça va. Pas la... Putain, c'est un truc de ouf. Putain, mais ça... Normalement, tu peux t'accrocher au mur en visant. Ah, tu veux dire en... Alors, attends. Ah, le plafond. Merde, attends. Attends. En vrai, j'étais... J'arrive pas à viser le plafond. Oh, Loki. Non, je te jure, Jonas, c'est pas le moment. Comment tu... Oh, putain. Je l'avais... Ok, alors, attends. Alors, attends. Voilà, merci. Ok. Ok. Mais, bizarrement... J'avais presque oublié avoir acheté cette boule de neige pour Tante May. Si j'aime autant cette ville, c'est sûrement grâce à elle. Oh. Tain, quand tu trouves cet objet après la fin, c'est un peu horrible. Hop. Oui, non, mais c'est moi, j'ai complètement oublié qu'on pouvait viser comme ça. Oh, je laisse la ville dans le chaos. Hein. Grâce à Jameson dans mon livre. C'est grâce à Jameson. Hein. On parle mal de lui, mais c'est lui qui nous met sur la voie. Hein. C'est vrai ce que vous dites. Hein. C'est vrai ce que vous dites. Alors. C'est le tout dernier match auquel Oncle Ben m'est emmené. Faudrait que je l'encadre. Ses conseils me manquent. Oh. J'adore ces quêtes un peu mélancoliques. Putain, mais il y en a encore pas mal, en fait. Attends, mais il y a combien de missions qui nous restent, là? À l'aide? Pourquoi il nous reste autant de choses à faire? Moi, je veux faire le DLC.
Let's gang. Ok. Ok. Oh putain. Je suis KO là, je suis adieu. Oh, c'est tellement stylé l'ambiance ici. Jameson m'a donné ça à sa fête d'adieu du Daily Bugle. Je pensais que personne n'écouterait son émission. Là, il y a un... Voilà. En haut du... C'est quoi, c'est la tour Avengers? Ouais, bah, j'avais pas envie de trop casser l'histoire avec des quêtes, tu vois. Hop. Wouhou! J'adore. La tour Avengers. Le grappin. Je cours. Ça me tue quoi. Ça me tue le concept de courir comme ça à la verticale, je trouve ça tellement drôle. J'arrive pas à prendre ça au sérieux. Ok, ok. Ah non, 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 non. Ah non. Ah non, non, non. Hop, eh. Allô? Oh putain, je suis trop dur. Oh, la vue est belle. Oh, j'ai vu un chat. Pff, mec. Avengers, la débâcle des films à l'aide. Oh, bah, c'est abominable, hein, ce qu'ils disent. Les Avengers de maintenant, c'est abominable, hein. Je sais pas si ouvrir ça libérerait vraiment Sandman, mais... J'ai aucune envie de tenter le diable. Ah! Sandman. C'est fou d'avoir été autant au sommet puis d'avoir dégringolé à ce point-là, quoi, avec Marvel. Parce que Endgame, ils étaient quand même vraiment au sommet. Hein. Alors attends, j'ai vu le chat. Là. Ah, mais attends, il y a un pigeon là. Mec, c'est plus ce qu'il faut faire. Oh, il y a un chat ici aussi. Wouhou! Voilà un pigeon! Et en plus, il est rapide! Après, les pigeons, c'est pas si dur à trouver, hein. Les pigeons, c'est... Hey, attends! Oh, si seulement je parle les pigeons! Tu m'emmènes au One Piece Store du Japon et puis je peux t'en trouver des pigeons. Hein. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas si dur. Oh putain, je me suis trompé de touche. Ah, pourquoi ça lag? Oh putain. Bon, alors vous, ça lag pas, mais moi, j'ai mon OBS qui se met à laguer. Et laguer dans les moments comme ça, c'est pas ouf. Hop. Okay. Avenger, saleté de pigeon, la quête est belle, hein, mais j'ai tellement eu d'échecs. Ah ouais? Je suis désolé pour toi. Moquette plus hype dans sa voix par... avec des chats et des pigeons que l'histoire, ça me fume. Bah oui, mais en même temps, c'est des animaux. Ici le central de sable. Oh non, m'emmerdez pas. Là, il y a un chat. Félicia essaie de me faire courir, mais c'est ça qui va me permettre de la trouver. Ouais, les chats, faut les faire, quoi. En enseignant tous les lieux cambriolés, cet algorithme va m'indiquer un point d'origine possible. Je sais qu'il y a les DLC... Alors, c'est pas les DLC... C'est la mise à jour gratuite de Spider-Man 2 aussi qui arrive dans pas trop longtemps. Mais je crois pas qu'ils aient encore annoncé les DLC du 2. Hein. Bon, pour moi, c'est... Enfin, juste... Bon, j'espère qu'il y en aura un nom, en vrai, je préférais que ce soit dans le 3, mais... Mais disons qu'il y a quand même des trucs un peu... Vraiment très incomplets, quoi. Et bim! Tu es arrivé trop tard, cette fois. Mais avec un ou deux cambriolages de plus, j'aurai assez de données pour localiser son repère.
Ok, donc là il y a un chat aussi. Ce qui est un peu l'équivalent de Black Cat, quoi, là. C'est-à-dire que tu fais toutes les quêtes. Oh putain. Certaines personnes m'ont accusé d'être négatif, de me contenter de critiquer Spider-Man sans proposer de solution. J'en ai une de solution, et elle est vraiment simple. Enlève ton masque, va à l'école de police, porte un insigne. Là, tu pourras attraper tous les bandits que tu veux. Et je chanterai tes louanges dans ce même micro. Et toutes ces bêtises comme quoi sa maîtresse est proche en danger, arrêtez! Vous n'allez pas me dire qu'il y a des gens qui apprécient ce type! Bon, c'est tout. C'est tout. Il déverse son venin et puis il se casse. Ça fait plaisir en fait, on se sent aimé. Et ça, ça fait plaisir. Hop là. Hop là. Oh mais non, je voulais pas faire ça. Allez-y, frappez-moi. Attention, je rends les coups. Oh Jameson sur Twitter, mais quel enfer ça serait. Oh jamais hein. Jamais n'imaginons ça. Hein. Eh, vous m'emmerdez. Aïe aïe aïe. Désolé de dire ça, hein, mais les gros, ils m'emmerdent un petit peu. Hein. Tiens. Hop. 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 Ah non, je suis pas grosse, je suis pas. Que ça vous serve de leçon. Non, 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 mais c'était pas... Ça va, Togramori? Non, 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 me mettez pas dans la sauce, c'est... Voilà, c'était... C'est un dérapage, une erreur de parcours, hein, ça arrive. Félicia approche de son objectif, et la zone à fouiller est trop vaste. Il faut que je cible ça plus précisément. Chaque donnée compte. Qui elle a volé, où elle a frappé. Bon bah écoute, installe-toi confortablement, j'espère que tu kifferas le stream avec les autres. Attends, faut dézoomer, Moquette, qu'est-ce que tu fous? Help. What the fuck is going on? Est-ce que vous écoutez la musique Allez les gros de Marwa Loud? Marwa Loud, pardon. Il est où le chat? Putain, je suis aveugle. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je fais le tour de la question. C'est un truc de ouf. Pourquoi je vois pas le truc briller? Ah, c'est là. Non? Attends, ça vibre. C'est pas ça qu'il faut prendre en photo? Attendez, ça vibre. C'est là. Ah, putain. Je t'ai trouvé. C'est Lonesome Pinky qui vit là. Cambrioler un chanteur de country. Quelle imagination. Mais je me rapproche. Un dernier coup et ce sera bon. Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À l'aide. Bah ça y est. Oui voilà, ok. Non, c'est qu'il fallait que ça se comptabilise. Donc là il y a encore. Ah là il y a, bah, y a un pigeon. Wouhou.
Oula, a retenu un message pour la raison suivante. Oh là là. Oh là là, Pokeya, fais attention. Oh là là, Pokeya dans la sauce, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, il se passe des choses dans le chat, là. Oh là 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 là. Non, 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 moi, je veux pas avoir d'ennui, hein. Moi, je n'ai rien à voir avec cette personne, hein. Je n'ai rien à voir avec cet individu. C'est vrai, on se connaît un peu, mais... Je savais même pas que ça existait. À l'aide. Un dernier cambriolage et j'aurai assez de données pour localiser Black Cat. Grosso modo, elle en a déjà dérobé pour 49 millions. Si je l'attrape avant les 50, elle abandonnera sa carrière de voleuse. Non mais vous... Oh non. C'est la galerie où est exposé le tigre de Jade, qui vaut au moins un bon million. Je dois lancer mon algorithme et trouver Félicia tout de suite. Félicia. J'ai trouvé son repère. Je dois vite m'y rendre avant qu'elle quitte la ville. Ok, on y va. Oh, il va jamais nous laisser tranquille. Bon. Tantôt il est un danger menaçant, et tantôt il est une menace dangereuse, mais franchement, comment peut-on mettre les autres en danger sans être une menace? Et vice versa. Et pour tous ces obsédés de la grammaire qui me taxent de redondance, je fais de l'art. Figure de style, c'est un procédé rhétorique. Et si ça ne vous plaît pas, je vais vous dire où vous pouvez vous le ranger, le procédé. Oula, mais, ah, mais attends... Bon, mais, eh, mais tout le monde est en roue libre, là, entre Jameson et le chat, là. Tout le monde est... ...de la liberté. Avant que le Fist soit créé, c'était le paradis des sans-abri new-yorkais. C'est plus ou moins désert, maintenant. Pas mal pour se planquer. Je suis sûr qu'il doit y avoir une entrée cachée. Une entrée cachée. Ah. Bingo. Ici. On dirait qu'il y a tout ce qu'elle a volé. Les livres de contes des familles du crime de la Magia. Elle essaie de les faire chanter? Ah, je peux les regarder plus en détail, non? Non, d'accord. Wow. La première fois que j'ai attrapé Félicia, c'est ce qu'elle essayait de voler. Apparemment, elle a fini par y arriver. Oh là là. Ah, un chat qui danse avec une petite araignée. Et qui l'enferme dans un bocal contre sa volonté. Trop mignon. À l'aide. Ouais, Fisk a déclaré qu'on lui avait volé il y a des années. Non, 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 pas toi. Du vin d'un vignoble de la Magia. C'est quoi ça? Spidey. Tu as tout fait pour me faire changer de vie, hein? T'es adorable et mignon. Oula. Aussi. Oula. C'est pourquoi je t'ai préparé un truc un peu plus flatteur. Assume ton sex-appeal. Oula. Assume ton sex-appeal. Alors quoi? C'était qu'un jeu de piste, c'est ça? Très bien. Spider-Man, Black Cat vient de cambrioler la salle d'épreuve du commissariat. Quoi? Comment? Cet endroit est un vrai coffre-fort. Oh, je suis stylé quand même. Chaque vous avez trouvé. Quand ils étaient dans la salle d'épreuve, ils se sont connectés pour amplifier leur signal et désactiver les alarmes. Personne ne l'a vu entrer. Elle savait que je trouverais ces chats et que je vous les signalerais. Une fois de plus, elle m'a bien eu. Elle a pris quoi? Son ancien costume et son équipement. Elle m'a laissé pour 50 millions de butins sur les bras juste pour récupérer son équipement? Ce qui veut dire qu'elle a un truc encore plus gros de prévu. Eh bien, chapeau l'artiste. Elle vous a bien eu. C'est un sourire que j'entends. Vous souriez là? Bon. À plus tard. Bon. Ah, oh, salut Mysterious, comment ça va? Garde-le, c'est un des meilleurs costumes du... Bah, c'est vrai que putain de merde... Moi, je fais très très peur, hein, mais...
Je fais très très peur, mais je suis stylé. Comment on change déjà? En vrai, j'ai peut-être un peu la flemme. J'allais dire, comment on change la météo? Normalement, je le sais. Bah écoute, ça va tranquille et toi? Ça fait longtemps? Et Ludix qui débarque aussi, mais trop bien, mais comment allez-vous? Je crois qu'on a jamais eu un rapport féminin sur le chat plus important que de garçons. À quand le retour dans les montagnes? Oh putain! Bah cet été possiblement. Je peux pas te dire encore les dates, mais normalement je vais en Suisse. Alors attends. Je passe une tête vite fait. Y'a pas de Soussaï? Ah, c'est loin, attends, c'est à 2 km. Attends, je vais me téléporter, hein, parce que... Le truc que vraiment je fais littéralement jamais dans le jeu. Et tu allais rien me dire? Mais si, mais en fait, j'attendais d'avoir les dates exactes. Je sais pas... Parce que sinon, c'est pas drôle. Hey, before you go, can you sign this for my kid? Très bien. Mais non, mais c'était à 2 km, Yuyo, attends. Ils sont où les pigeons, là? Et tu viens par où? Normalement, ce sera du côté de Genève. Enfin, à Genève, ou du côté de Genève. Allez, le pigeon. On essaye d'avoir le pigeon. Oh, il est haut, le pigeon, putain. Un pigeon d'Howard. Il prend la fuite. Oh non, je me suis ramassé. Au secours. Allez. Ah oui. Yes. On a trouvé tous les pigeons, c'est bon. Spider-Man, j'arrive pas à y croire, toute la famille est réunie. Génial, Howard. Ces oiseaux ont de la chance de vous avoir. Je fais ce que je veux. Sandra se débrouillait bien mieux. C'était ses oiseaux à elle. Et maintenant qu'elle est partie, ils sont à vous. C'est comme si une partie d'elle vivait encore, vous voyez? Je vois très bien. Vous êtes quelqu'un de bien, Howard. Si vous voulez passer voir la famille à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Clarence dit que vous lui manquez. Merci encore, Spider-Man. Bah écoute, ça fait plaisir. Mais les montagnes suisses, c'est mieux que la ville pseudo-française. Bah ouais, mais c'est pas ma faute, hein. C'est mon pote qui vit là-bas. Je suis sûr que tu es revenu plein de fois, tu m'as pas... Ah bah non. ne déconnons pas, je ne roule pas sur l'or, donc non. Je ne suis pas revenu en Suisse. Depuis qu'on s'est vu. Alors attends, il y a quoi comme mission? Il y a trop de missions en fait, hein. Je pense qu'on va squeezer des missions, hein. J'ai intérêt à venir me faire coucou. Bah écoute, si c'est possible, bien sûr. Mais disons que on sera chez un pote. Oh, il casse les couilles. Lui. Préparez-vous à être déconcerté. Apparemment, Spider-Man saccage les règles. Attendez, je le tue. Ouais, je serai chez un pote. Et du coup, il est du côté de Genève. Donc après, je sais pas du tout comment on va gérer les déplacements. Donc là, c'est un live moquette, c'est ça. C'est exactement ça. Mais de toute façon, oui, je te tiendrai au courant. Nos soucis à ce niveau-là. Hein. T'inquiète, paupiette.
On est là, hein. De toute façon, dès que j'ai des dates et tout, je te dis, ce sera dans les... Normalement, ce sera durant l'été. J'ai pas les jours exacts. Et voilà. C'est bon, il s'est tué l'autre. Ok. Bah non, mais c'est relou quand il parle et que je suis en train de répondre au chat. Hop là. Putain, je m'attendais vraiment à une jeune avec vu le doublage, mais non, c'est une vieille. Une vieille. On contemple les oiseaux au clair de lune ? J'observais les rapaces nocturnes dans le parc quand j'ai repéré un... Ok, respect pour Jameson. Bah en même temps, est-ce qu'il en a pour moi ? Merci de m'avoir prévenu, chère... Stéphanie. Dites-moi si je peux être utile. Je continue à faire le guet depuis mon perchoir. Merci pour le coup de main, Stéphanie. Pourquoi y aurait des hommes armés à Belvedere Castle ? Mon petit doigt me dit que c'est pas des touristes. Oh, ce genre de son, là. Non mais en vrai, bien sûr qu'il est incroyable comme personnage. Je ne dis pas le contraire. Hein. Arène, il y avait Emmanuel Curtis. Ah oui, c'est vrai. C'est pas bon signe. Oh, comment ça dégage. Alors par contre, le snipe. Et j'espère qu'ils ont pas fait payer parce que putain, à la Japan Expo, quand ils avaient fait payer pour aller voir des comédiens de doublage français, c'était un peu horrible. Il en reste plus. Voyons ce qu'ils manigançaient. Enfin, fallait payer, c'était même pas sûr que tu... J'ai pas compris leur manège. Peut-être que je peux trouver des infos sur cette clé USB. Les infos de Moketo, tu es en train de me dire ? Stéphanie, un oiseau vient de piquer une clé USB pleine de preuves. Un pigeon, je crois. C'est normal ou quoi ? C'est leur période de nidification, alors ça ne me surprend pas. Et je crois qu'il y a un nid dans les arbres au sud-est du château. Nickel, ah. Je vais aller voir. Au Geek Days, tu payes juste l'entrée palais dédicace. Ah, c'est bien. Rendez-moi ma clé USB, bande de rats volants. Essayez le renforcement positif. Les pigeons sont dotés d'une intelligence remarquable. Une intelligence remarquable, hein. En vrai. Hé, hey, les pigeons. Désolé de vous avoir traité de rat volant. Bon. On pourrait peut-être s'arranger. Je sais pas combien fisc vous paye, mais je vous propose le double en graines. J'en ai un. Mais c'est pas lui qui a la clé. En vrai, c'est un peu contradictoire le fait que c'est des grosses conventions qui te font payer les rencontres et les dédicaces. Alors que les petites. Alors que les petites conventions. Bah, ça rend, c'est beaucoup plus accessible. Hop. Apparemment, ils cherchaient à transférer un verre sur le réseau Wi-Fi de Central Park. Ça aurait pu leur permettre de récolter en douce des tonnes d'infos personnelles. Maintenant que j'y pense, même moi j'utilise ce réseau. Oui. Ça continue de charger à distance ? Il doit y avoir plusieurs points d'accès. Qu'est-ce que je fasse ? Stéphanie, vous êtes ma vigie du ciel. Vous avez repéré quelque chose d'anormal dans le parc ? Je vois un couple de deux grands... Ah ! Là-bas. Merci. Continue d'observer les alentours. Je dois atteindre cette boîte de raccordement avant la fin du transfert. S'ils n'ont pas accès à l'ordi, ils peuvent rien charger. Tiens, dégage. Mais attends, je regarde un truc vite fait. Voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. J'avais pas de pouvoir. Bon après, pas forcément utile, mais... Il est où le dernier?
Hop là. Oh là là. Allez, on perd pas de sang. Faut que je me dépêche. Encore deux ? Je pensais pas dire ça un jour. Mais pourquoi Central Park a besoin d'une couverture Wi-Fi aussi forte ? Je croyais qu'on venait ici pour respirer. Et voilà. Je dois les éloigner de cette boîte. Il est là ! C'est quoi ça ? C'est rien, c'est rien. Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es là. C'est lui. Hop. Non, moi j'ai pas, je me suis pas intéressé, je t'avoue, lui. Ok, plus qu'un. Ok, plus qu'un en fait. $2000 le tarif de groupe, what the fuck? Pardon? Pardon? Ah oui, ça dégage. Oh, Courly, ça va? How are you going, Courly? Oh là là. Oh, mais ça va aussi. Merde, je me suis trompé, je me suis trompé. Attendez, je remets mes pouvoirs. Hop là. Voilà. Voilà. Les habitants de Manhattan peuvent dormir tranquille. Leur mot de passe et leur vidéo de chaton ne risquent plus rien. Spider-Man, je crois qu'ils m'ont repéré. Oh non. Vous en êtes sûr? Quasiment. Il y a des hommes armés qui débarquent. Fermez la porte du toit et tenez bon. Des bisous, Courly. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Je dois atteindre Stéphanie avant les hommes de Fisk. C'est à cause de moi qu'elle s'est fourrée dans ce pétrin. C'est vrai, ça. C'est à cause de nous, hein. Ah. Non, non, non. Cachez-vous. Des bisous, Courley. Bah, elle est là, la nana aux jumelles. Qu'est-ce que vous... Oh là là, oh, calmez-vous. Calmez-vous, messieurs. Mais messieurs, mais vous êtes complètement... Putain, je vais y arriver. Ok. Ok. Ok, ça dégage. Hop là. Comment vas-tu, Stéphanie? As-tu eu peur? As-tu peur parce que je suis habillée Merci, Spider-Man. Mes nuits d'ornithologie sont un peu moins palpitantes que ça, d'habitude. Merci à vous. Sans oh, c'est celle qui double... Le baron du crime aurait récolté les données personnelles de la moitié de la ville depuis sa cellule. C'est celle qui double le... En plus, j'ai trouvé un nid si tel à poitrine rousse pendant que vous leur mettiez le pied dans les gencives. De vraies petites beautés. Vous voulez les voir? Merci, mais... Je vais plutôt me concentrer sur une autre sorte de gibier. C'est celle qui joue, c'est celle qui double la l'espèce de démo dans Hunger Games là. Putain, j'ai oublié son nom. Qui a du maquillage, enfin qui se. Je crois que c'est celle qui se déguise, enfin qui se maquille pour. Bref. Effie. Merci beaucoup. Spider Sozy, Harlem.
Hop. Ouais, je crois que c'est Effie qu'elle s'appelle. Vous vous souvenez quand Spider-Man avait un bras droit? Black Cat, une jeune femme plantureuse, tout en cuir. Oh, Alex! Papa et maman, hein, pas vrai? Merci pour le follow, Alex. Pourquoi l'alerte ne s'est pas déclenchée? Mais pourquoi il parle autant? Pourquoi cet homme parle autant? Je pense qu'il parle autant que le streamer, en fait. C'est un peu dérangeant. C'est un peu cocasse. Faut juste éliminer des voleurs. Hop là. Oh là là, ce que je leur mets. Mais ça va, les gars. Moi aussi, je vous aime bien, mais... Voilà. Promis, on y est presque, les gars. Enfin, les gars, enfin, mesdames et messieurs. Oh, c'était rapide, hein. Les hommes de Tombstone sont KO. Voyons maintenant ce que contiennent ces barils. Oui. Diox 3. Promis, on arrive. Hein. Qu'est-ce qu'il va en faire? Promis, on commence bientôt les DLC. Hein. Oh la moto, quoi. Oula. Ouais, allez, amène-toi. C'est ça le fameux Covid? Je doute que ce soit un produit pour l'as. Oh, merci Révérend pour le... Mais attendez. Ça va Révérend? Mais pourquoi mes alertes ne se déclenchent pas? Il y a un monde où j'ai des alertes, hein. Au cas où, je sais qu'on n'en a pas l'impression. Mais j'ai des alertes, monsieur Twitch. Pourquoi mes alertes ne se déclenchent pas? Même Twitch me dit, bah mec, non, t'es pas un streamer, enfin, genre, pourquoi faire des alertes? Comment ça va, Révérend? Comment ça va en dire? Oh, mais il y a tous les... Ah oui, d'accord, il y a toute la bande. Il y a toute la bande, là. Qui c'est qui a cafeté que je lui fasse un câlin? Oh, mais ça va aussi. J'ai peut-être lancé un appel. Oh, merci Lu. Peut-être. Hein. Bah écoute, tu vas... Aïe. Tu vas avoir un câlin, en fait. Ça va, Andive? Je suis pas une boucave, t'as cru quoi? À l'aide. Bah écoutez, bienvenue. On est sur Spider-Man, comme vous pouvez le voir. Je ne ressemble pas du tout à Spider-Man, c'est vrai. Par contre, si je fais ça... Là, je ressemble normalement un peu plus à Spider-Man. Et du coup, on est en train de finir les quelques petites missions avant d'entamer le DLC du jeu, le premier DLC du jeu. Oh, ça va aussi. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir la fille du GIF? Oui, normalement oui. Si je ne prends pas trop mon temps. Enfin, il me semble hein, que c'est elle. Il me semble que le DLC commence par elle. Oh, ça va aussi, les gars. Me faites pas mourir devant les tartipotes.
Voilà. Par contre, je me répète, hein, mais je crois qu'on n'a jamais eu autant une majorité écrasante de public féminin versus de viewers que de viewers. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien entre le Diox 3 et ses inhalateurs. Ouais, c'est possible. Je devrais analyser un inhalateur pour en savoir plus. Ouais, c'est possible. Ouais. Par contre, je vois pas ce que je fais en fait. R3, ok. J'espère que tu es en forme, Oketo. Bah écoute, on fait aller, ça va, on se change. On est là, hein. C'est là-haut qu'il faut aller ? Mais faut que je fasse quoi là ? Examiner l'inhalateur. C'est moi qui suis con ? Bah, c'est moi qui suis con ou c'est moi qui suis con ? Allô ? Mais il est où l'inhalateur ? Actuellement sur une perte de contrôle. Hein, quoi ? Ça m'a dit quoi, là ? Bah, yes, c'est super, du coup. Comment je sais que je sais pas que vous savez ? Il a perdu le Spider Sense. Bah là, c'est un peu terrible, ouais. Bah en fait, je dois examiner quelque chose, mais je trouve pas le quelque chose. Putain, ça fait vraiment trop bien. Ça fait beaucoup trop bizarre de voir des tartipotes là dans mon chat là. Ça fait trop zarbi, tu sais. En fait, le truc c'est que surtout que j'ai pas confiance. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis con. Ou si c'est. Ou si c'est le jeu qui bug. Oh, les agnoles ! Oh non, mais ça suffit. Comment ça va, Lisa ? Tain, mais là, on est vraiment sur un 80 versus 20, 80% femmes, 20% hommes. Hein. Le truc n'est jamais arrivé de l'histoire de la Moquette TV. Hein. Elles se sont concertées. Bah non, mais de ce que j'ai compris, c'est Luc qui a cafeté. C'est pour Spidey, bah je me doute que c'est pour Spidey, je me doute que c'est pas pour... En mode, genre ce serait pour la moquette, c'est. Genre. Attends, c'est peut-être là-haut. C'est pas du tout là-haut. Là-haut le jeu vidéo. Quoi ? Eh, vraiment, je suis paumé. Est-ce que Yu-Yu, tu te souviens de cette mission ?
Parce qu'en fait, parce qu'on a déjà eu un bug comme ça dans une mission où le truc qu'il fallait analyser n'apparaissait pas. Donc en fait, je sais pas si c'est moi qui suis con ou si c'est le jeu qui n'affiche pas ce qu'il faut afficher. Il faut un début à tout, comme tu dis. En vrai, je trouve plus posé en stream et vidéo YouTube que sur le Discord. J'ai pas compris. Là, tu me poses une colle. Il est populaire, ce Spidey. Attends, je viens de la faire. Ah ! Tu avais fait quoi juste avant ? Bah, j'ai tué des gens. j'ai juste tué des gens. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Genre, je... Moi, je ne connais pas les filles. Oui, même Mysterious, une amie d'avant encore. Normalement, tu as le truc au sol près du camion. Alors. Putain, heureusement. Eh, Colin, elle gère. Hein. Colin... Genre près de quelqu'un en cliquant sur R3. Bah oui. C'est bien ça ce qui m'inquiète. C'est bien ce qui m'inquiète, c'est-à-dire que je fais... Ah, pas cela, ok. Ah, celui-là. Celui du milieu. Celui-là. R3. Moi j'ai l'épée. Nope, nope, celui dans lequel tu as les deux bidons. Là ? Donc c'est là, non ? T'es passé à côté. Je bouge plus. Je... Ah, là-bas, là ? R3. Stop, R3. Ok, j'y retourne. R3. Oh, putain. J'ai l'impression d'être dans la... J'ai l'impression d'être dans Interville. Tu m'étonnes, je suis trop vieille maintenant. Bon, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? À gauche ! À gauche ! Oh, putain ! Oh, putain. Merci, Colin. Merci, Colin. Oh, putain. Bah, alors, sachez que Colin nous a fait économiser une demi-heure environ. Hein, Les moquets-potes, vous avez des dossiers rigolos. Non, non, non. Alors, non, non. Alors, non, non. Alors, attention. Non, non, attendez. Alors, attendez. Attendez. Je mets le jeu en pause. Le chat, calmez-vous. Le chat, calmez-vous. Pokeya, Yuyo, Mysterious, la clique, tout ça. Calmez-vous. D'accord ? On est bien d'accord qu'on est calme. On passe un bon moment. Voilà, y a des petits nouveaux. Ils découvrent les streams du dimanche. Voilà, on est gentil. On est là. On est vraiment... on est posé. On passe un bon moment, tout se passe bien, voilà, il n'y a pas d'embrouille, voilà, moi je trouve qu'on passe un bon moment. Bah alors c'est les doses, non, il n'y a pas de dose en fait, il n'y a littéralement pas de dose. Non, non, mais ça, tout va bien se passer. Je vous jure, tout va bien se passer. Putain, j'adore ces jeux-là, à chaque fois Mettez des tensions dans la ville. À l'aide. Non, non, mais c'est ridicule. Pour une invincibilité temporaire. Je suis impressionné. Et inquiet. Si ce truc arrive dans la rue, le marché sera énorme. Oh, pardon, pardon. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, J'ai envie de m'ouvrir, en fait. Bon, bah, tu sais quoi, on fera pas cette quête. De toute façon, on a vu l'essentiel, je pense. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Certains pensent, à tort, que j'invente des histoires sur Spider-Man. Et je vais leur donner du grain à moudre avec cette histoire saugrenue. Oh là là, mais j'ai envie de tout casser, hein. Attends, je regarde juste. Parce que corrige-moi si je me trompe, Yuyo, mais là on a un peu fait les quêtes les plus importantes, non ? Arrêtez de parler d'autre chose là, c'est.
On est là. Parce que l'idée, c'est quand même de commencer le DLC, c'est pas de... Oh, il est possédé. Hein. Oui, t'as fait les plus importantes en soi. Ah bah voilà. Bon, vous savez quoi? On fait cette mission là, et après on attaque le DLC. Et au pire du pire, on fera celle qu'on n'a pas fait une prochaine fois. J'ai envie de faire que des conneries. Tu stream pas à la bonne heure. Comment ça? Y a un problème? Non, je voulais juste vous remercier d'avoir sauvé ma fille de ces voyous. J'ai fait ça quand? À l'instant. Occupé comme vous êtes, tout doit se mélanger, hein? Près du cinéma, à l'angle de la 126e. Elle vient de me dire ça au téléphone. Ah oui, pardon. Alors, c'est pas tous les mêmes doubleurs, Andive. Bon, je me souviens pas du tout. Donald, effectivement, c'est le même doubleur que dans les films Amazing. Par contre, pour ce qui est de Jonah, de Mary Jane, etc., c'est pas... je crois qu'il y a que Donald où ils ont gardé le même doubleur, mais les autres, normalement, ils sont différents. Il y en a juste une que je t'ai pas vu faire aujourd'hui, mais je sais pas si tu l'as fait, si tu l'as fait un autre jour. C'est un des draconistes importants, j'oublie H24 son nom. Ah, je vois pas du tout de qui tu parles là. Il faut que je découvre ce qui s'est passé. Bah là il était question de Tom Stone là, quand on faisait la mission là. Celle que j'ai lamentablement changée là, ça parlait de Tom Stone. C'est vrai qu'ils ont gardé le plus important. Ah bah c'est celle-là. Bon bah yes. Je suis en malade moi. Allez, tous ensemble, c'est parti, oui. Quoi? Normalement, tu l'affrontes. Ah, merde! Oh, putain. Bon, tu sais quoi? On la fera... à la prochaine... On la fera au prochain stream. Enfin, au prochain épisode. Au moins, on n'a pas affaire à un justicier meurtrier. C'est déjà ça. J'ai pas envie de vous faire du bien là. Moketo qui va craquer face à ma bonne humeur. Mais je craque déjà pour vous, le chat. Arrêtez de... Y a pas besoin de faire plus, hein. Il va finir par danser aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas dansé... Que j'ai pas fait des trucs en stream comme ça. Je croyais que vous vous occupiez de l'incendie. Oui, j'y vais tout de suite. C'était de quel côté déjà? Tout à l'heure, vous êtes parti par là, vers le sud. Merci, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Quelqu'un se fait passer pour moi. C'est peut-être un coup du caméléon. Il faut que je le retrouve. T'as intérêt à être bon, j'ai ping plein de gens. Oh non, Lu. Non, Lu, s'il te plaît. S'il te plaît, Lu. Les gens n'ont pas envie de souffrir. Les gens ont peut-être envie de passer un dimanche calme et sain, tu vois ce que je veux dire? T'as pas déjà un peu dansé dimanche dernier? C'est vrai, c'est possible. C'est possible, hein. Des fois ça ne se contrôle pas. Non, mais. Moi je suis pas streamer, hein. Je suis pas Ben, hein. Je suis pas. Voilà le bâtiment brûlé. L'incendie a été éteint rapidement. Vous êtes revenu. Je pourrais jamais assez vous remercier d'avoir sauvé mon amie des flammes. J'ai cru qu'elle était perdue. À votre service. Dites, je suis content que tout le monde aille bien, mais la fumée m'a embrouillé. Vous pouvez me dire de quel côté je suis parti? Ah oui. Désolé, j'ai aidé mon ami. Je crois que vous êtes remonté. Merci. Saluez votre ami pour moi. Ben a sûrement fait moins de stream que toi. Oui, certes, mais ça ne veut pas tout dire. Je me demande si l'autre moi a laissé des traces. Ben non plus n'était pas streamer à la base. Ça ne veut rien dire, hein. Vraiment.
Ce n'est pas parce que j'ai fait plus de stream que je suis streamer, hein. Vraiment. Il a utilisé l'escalier de secours. Il a pas dû réussir. Hey, Spidey, vous en avez fait quoi de l'extincteur ? Un extincteur. Un steak-extincteur. On enquête sur un faux Spidey, hein, au cas où. Un sosie, quelqu'un qui se fait passer pour moi. Je me demande où il a laissé. Bah c'est ça là, non ? Faut que tu t'entraînes pour la cigale, ça approche. Oh, putain, mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de crossover bizarre en fait. Enfin, vraiment, je vous jure, c'est très bizarre ce qui se passe dans ma tête parce que j'ai des blagues d'une communauté et des blagues d'une autre communauté. Je fais pas les mêmes blagues, tu vois. Moi, je suis un peu un artiste qui cherche à se renouveler en permanence. Et je teste pas les mêmes blagues. Genre, typiquement, la blague de la fourmi, y a personne dans ma communauté. Y a personne dans ma communauté qui la connaît, hein, cette blague. Hein. Faut se rendre compte de ça. Hein. Alors, je vais m'enlever parce que je vois pas ce que je fais. Qu'est-ce qui fait un streamer ? C'est pas de faire des streams ? Bah, c'est plus... Alors, moi, je dirais, c'est plus genre dans la gestion des alertes et tout. Ça, je suis nul à chier à ça, hein. J'ai aucune réfalette. Ma communauté, elle est perdue, alors que c'est ma communauté, quoi. C'est ça qui est un peu drôle. À l'aide. Attendez, je me concentre. Parce que c'est pas facile. Hein. Non, attends, je crois que j'ai. Bah non, ça marche pas, ça. On n'est pas ta communauté, on regarde YouTube aussi. Oui, non mais si. Oui, mais... Non, ce que je voulais dire par là, c'est que vous me connaissez depuis... Vous me connaissez depuis 2 mois et demi, 2-3 mois. Alors que Yuyo, Pokeya, Mysterious, bon bah ils me connaissent depuis 10 ans, quoi. Ah, 10 ans. J'exagère, je grossis les traits. Certains, c'est plus. Mais vous êtes tous... Ah si, ça y est, j'ai. Faut faire ça, et faut faire ça. Ok. Ensuite, il faut faire... ça. Et ça. Non, n'accusez pas Ludie. C'est pas 10 ans, mais plutôt 13 ou 14. Oui, c'est vrai. Je ne sais plus compter. Alors. Tac. Ah, mais non, en fait, il en faut 2. Il en faut 2 parce que c'est un gros trait. Donc, en fait, il faut ça. Et ça. Poudre abaissée. Standard et facile à détecter. Il est couvert d'une substance ignifuge. Si je règle mes lentilles sur sa signature chimique, elle devrait me conduire à Spider-Man Bis. Il marche. Pas de toile, pas de pouvoir. Autrement dit, il est complètement suicidaire. Non mais en gros je disais... Je fais des imitations... Je fais principalement des imitations... En fait, on vient du serveur de Ben Never. Et je fais régulièrement des imitations sur le serveur de Ben. Et du coup, pour déconner, un jour, j'ai dit, ouais, du 24 au 28 mars, je me présente à la cigale, et plus tard, j'irai à la fourmi. Plus tard dans l'année, je vais à la fourmi. Et en fait, étant donné que je suis quelqu'un d'hilarant, bah, je spam cette vanne. À tel point que Ben Never a vraiment cru à la vanne, quoi. Genre, la fiction a un peu rattrapé la réalité, c'était très drôle. On dirait que cet homme vient de se battre. Il sait peut-être quelque chose. Fais-nous une démo d'imitation. Allez. Bah... C'est bon, là. Lâche-moi. Je t'ai dit tout ce que je savais. Le deal a lieu sur le toit, je te le jure. Ok. Évite les ennuis. Bon. Ok, alors... qu'il est pas trop tard. Bah moi je fais tout le temps Aurel là-bas, je fais salut, ça va. Eh ben, je fais que ça. Où est-ce que t'as appris à battre comme ça?
Quoi? Il a laissé la drogue. Apparemment, ses intentions sont... La police s'occupera du ménage. La contrefaçon a dû descendre par l'autre escalier de secours. Il risque d'avoir mal pendant quelques temps, mais... Il vivra. C'est lui. Ah, c'est... Oh bah putain, Matt ouais, le sosie, hein. Ah, la gueule du sosie. À votre service, citoyen. Ah, la gueule du sosie, hein. Le devoir m'appelle. Je parle pas du tout comme ça. Bah, personne parle comme ça, d'ailleurs. Relâche-le. Compte là-dessus. Monsieur Fiske sera encore plus généreux quand on lui apportera ta tête. Oh, et doucement. Je suis pas le vrai Spider-Man. En tout cas, plus pour longtemps. Il est temps de rééquilibrer les choses. Hop. Oh là là, tellement stylé. Bam. Ah, tout ça pour ça, hein. C'était juste une action et puis après... Après on se charge du reste. KTL, c'est mon petit frère de cœur. Oh, Mysterious. Ça me touche. Et voilà, j'ai envie de revenir en... Ah bah en plus, Lisa, Lisa est une compatriote à toi. Hein. Je te retourne la question, mais avec toi, je peux passer la barrière de l'identité secrète, t'inquiète. Comment? Que quoi? Je ne sais pas si ce message m'était adressé. Des bisous, révérend. Ah, c'est un fondant au chocolat d'amour. Oh... Bam, bam, bam. Hop. Putain, mais hé, le sosie, il est vraiment suicidaire au possible. Hein. Tu sais, si tu veux voilà. Aider ta communauté, il y a un refuge du fist pas loin. Je suis sûr qu'ils apprécieraient de recevoir des cours de self-défense. Bonne idée. Oh, il y en a tant. Mais ça me tue, il y a toute la bande. Ça me tue, il y a toute la bande, putain. Comment ça va, Nathan? À l'aide. Ça me termine. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à revenir dimanche prochain, 17h30, pour un autre stream. Hein. On est bien, cousin. Bon, Nathan, il était déjà passé, en fait. J'ai invité Orelsa mais il est pas... Ah non non bah... tu sais que lui tu me fais peur hein. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Oh bah dès que tu peux tu m'en... faut que tu m'envoies ton truc Discord Mysterious. Faut absolument que je t'aie sur Discord. Aïe. Hop là. Est-ce qu'un jour on pourra commencer, vous pensez? Non, parce que là, ça fait 1h30 et on n'a pas commencé. Hein. Ouais, ouais, j'ai WhatsApp, bien sûr. Hop là, ça dégage. Waouh, ce truc de dingue. Et que comment vous faites ça? Au coup par coup? Écoute, c'est bien de vouloir aider les autres, mais si tu continues comme ça, tu vas te faire tuer. Ouais, j'ai vu ça. Pas de soucis, je raccroche la tenue. Il n'y a qu'un seul Spider-Man. Super. Et puis, t'as vraiment pas besoin de costume pour être un héros. Hey, c'est un bon slogan, ça. Je m'en souviendrai. Ok, putain. C'est enfin bon, quoi. Bon allez, moi je propose qu'on passe au DLC. Des bisous Lisa, des bisous.
Des bisous, Togramori. J'avais balancé ton blaze à marre, mais les gens ils se seraient dit bah, quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Merde, sorry, je me doute que t'es de la coloc, mais j'ai pas ton pseudo. Ouais, allez, je propose qu'on passe. Je propose qu'on passe au DLC. Qui fera plaisir à Andive, j'en suis certain. Parce que je pense qu'on a fait, un peu les missions principales. Bah, je voulais au moins terminer effectivement les missions liées à Black Cat parce que bah voilà, on la retrouve après. Mais je pense qu'on a fait le tour. Donc, chargeons. Alors, comme vous le voyez, les DLC sont séparés en 3 actes. Il y a eu 3 vagues de DLC. Le casse, la guerre des gangs, le retour de Silver. Et donc, bah, j'ai envie de vous dire, commençons. Comment ça ? Bah, comment je lance ? Pourquoi ça veut pas se lancer ? Comment t'as lâché l'info, Aureleto ? Je suis morte. Comment ça ? J'ai pas compris ce que j'ai fait de pas bien. Mais c'est pas là qu'on lance le DLC ? Ah, c'est peut-être sur le menu. Attends. Yuyo-sensei, j'ai une question. Comment on fait ? Mais normalement, c'est là. Non, en vrai, soit c'est là, soit c'est... Des bisous, Mysterious. Normalement, tu dois cliquer dessus, what the fuck. Bah, on est bien d'accord. Alors, attends. Peut-être que c'est un bug... Des gros bisous, Mysterious, prends soin de toi. Peut-être qu'il faut redémarrer, peut-être que je sais pas. Parce que j'ai installé... Alors, attends. Attends, tu sais quoi, je vais quitter le jeu, relancer le jeu. Parce que j'ai DL tous les DLC tout à l'heure. Peut-être que ça a fait bugger. Peut-être que ça a fait bugger le jeu, je sais pas. C'est le karma. Mais pourquoi ? Mais parce que faut pas du tout balancer le nom. Et j'ai pas dit le prénom, j'ai dit le pseudo. Ah pardon, moi je pensais que c'était ok comme c'est le pseudo. La casse accéder à la nouvelle campagne en entrant le jeu en utilisant le menu DLC. Oui, c'est ça. Et je comprends rien. C'est, ouais, je pense que c'est comme j'ai installé tout à l'heure les autres DLC, ça a dû faire bug l'interface. J'ai dit le prénom et pas le... Et pas le... Ah bah voilà. Ok, bon, bah c'était bien un bug. Sinon le jeu est très bien. Mary Jane Watson, rédactrice adjointe. Début des notes de recherche. Selon mes sources, la Magia prépare son grand retour. Ses vieilles familles du crime avaient été éradiquées, mais depuis la disparition de Fisk, elle comble peu à peu les vides. Les anciens parrains travaillaient en harmonie depuis des années, mais avec cette place vacante, on devrait assister à une lutte pour le pouvoir. D'ici peu, l'une des familles s'en prendra aux autres. Je vais devoir recontacter mes sources dans la police. On pourra peut-être étouffer cette montée du crime, qui sait. Salut Peter, je travaille sur un sujet qui pourrait t'intéresser. Le reportage sur Oscorp ?
C'est un nouveau sujet. Ça parle des familles de la Magia. La pègre ? Je croyais qu'ils avaient disparu en même temps que les pattes d'œufs, moi. Oh, les ringards. Elle était en déclin, mais depuis le départ de Fisk et des démons, la Cosa Nostra fait son comeback. J'adore quand tu prends cet accent. Tout doux, mon grand. Oula. Tu sais que la FBI a fait une descente dans la Magia le mois dernier ? Ouais, bien sûr. L'un des parrains avait une œuvre d'art disparue qui s'appelait la Maria. Et maintenant, elle est au Moka, à Manhattan. Et donc ? D'après une de mes sources, l'une des familles a prévu de le récupérer. Ce soir. J'ai l'impression que c'est pas juste une histoire de toile et de peinture. Je vais faire un saut au musée. Ok. Attends, je baisse un peu le son. Hop. Il y a ce qui comme Poképot à part Yu-Yu. Bah, il y a Pokéya et il y a Colin. Bon, je sais pas s'ils sont encore dans le chat, mais... Après, j'ai pas la liste de viewers sur les, sous les yeux, je t'avoue. Si, si, toujours là. Ah, toujours là, mes soldats, au rendez-vous. Parce que c'est notre projet. MJ, je crois que ta source avait raison. Il y a un petit groupe de malfrats qui essaie d'entrer. Reste en ligne, je vais voir ça de plus près. Sois prudent. Si ces types sont de la Magia, ils ne plaisantent pas. Allez, grouille-toi. Le patron veut ce tableau. On devrait déjà être sorti. Si tu veux essayer, vas-y. C'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour éviter de payer plein tarif. Bon. Allez, ça part. Vous avez réagi en concert. Mais oui, mais c'est ça, ils sont synchro. C'est mes... Oh là là, c'est mes petits soldats, ça. Oh là là. Boum. Boum. Hop. Hop. Il m'a eu. Oh, il est pas violent, il aime les choses bien faites. J'ai déjà vu ces types. C'est Federico Frezzelli et Sal Patrillo. Ces types sont avec Amores, non? Pourquoi il veut la Maria? C'est pas vraiment son style. Je vais faire le tour. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Et je te dirai si je trouve quelque chose. Il va falloir un moquer Scord. Bah, genre, tu veux dire un serveur... Genre un serveur Moketo? Non. En vrai, ce serait ouf que ça existe, mais... Mais je sais pas. La porte principale est encore fermée. Je devrais vérifier les autres entrées. Chercher les failles. Salut, je m'appelle Connie, j'ai arrêté de regarder les streams depuis 7 jours, mais à chaque fois, à cause de mon cas, je replonge. À l'aide, à l'aide. C'est quoi ça? MJ, il y a une ouverture dans une vitre. Je vais voir. Trop pipou, Colin. Pendant que les gars de Hammerhead essaient d'entrer par devant, quelqu'un d'autre est entré par le toit. Ouais, on dirait bien. Je vois personne. Mais alors, personne. Il devrait pas y avoir des gardiens de nuit? Si. Va voir au poste de sécurité à l'entrée, peut-être. Et il y a sans doute des caméras là-bas. Elles ont dû filmer l'intrusion. Hop. Du coup, bah, il m'a aussi fait jouer à Spidey à cause de lui. Ben j'ai volé. Non, pardon, emprunté les jeux à mon petit frère qui me tanne pour le récupérer. Ah, j'ai vraiment une influence désastreuse. Hein. C'est, je le confesse. Le poste de sécurité est verrouillé. Il me faut une empreinte pour entrer. Tu trouveras peut-être des indices à l'intérieur. Y a moyen de pirater la serrure? Passons la main d'un gardien. Une empreinte de la main, précisément.
tu ne croises pas les gardes, tu trouveras peut-être leurs empreintes sur ce qu'ils ont touché. Ah. Ah, ouais, bonne idée. C'est toujours un plaisir de donner un coup de main. Bon, si j'étais une empreinte de main, où est-ce que je serais ? Là, sur un banc, non ? Ah merde, attends. Je vais y arriver, hein, vous en faites pas. Il doit bien y avoir une empreinte par ici. Là ? Ah, ici. Oh, la grosse empreinte, là. J'ai une empreinte de main. Ah, enfin, une partie. Il va m'en falloir un peu plus. Let's gang. Let's gang. Bizarre. On dirait que les gardiens ont disparu. Alors, où est-ce que je vais trouver d'autres empreintes partielles ? Il m'en faut encore deux. Où est-ce que... Ah, moi, je préfère les chiens qui jouent au poker. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je crois qu'il y avait une vanne, mais j'ai pas compris. Je crois qu'il faut de la culture. Je sais qu'il y a une empreinte par ici. Il suffit de la trouver. Hop. Ça pourrait marcher. Mais le 12 vertical, je verrais plutôt karaoké que kumquat. Des gardiens dignes de ce nom laisseraient pas leur matériel. À moins qu'ils soient pas partis. Sorry pour le retard. Comment ? Ah d'accord. Non, moi je préfère les monochromes de Whiteman. J'ai. Ah, peut-être là. Non ? Ah, pas du tout. Très bien. J'ai pris la conf, j'ai cru que c'était par là. Je répondais à lui. Quoi ? De ouf. Sorry pour le retard. Putain, j'ai l'impression d'avoir 47... Ah, d'avoir 74 ans, de pas suivre ce que vous dites. J'aime pas l'expo de ce musée. En vrai, c'est vrai que je trouve ça drôle. Putain, je suis tellement dans le truc que c'est vrai que je me suis même pas intéressé à l'expo, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas très... pas très gay, quoi. J'ai pas vu la critique, je suis pas à jour. Moquette, pitié, me punit pas. Ah, oh bah non. Ça, ce n'est pas un motif de punition pour moi, tu vois. Ouais. Ah oui, là-bas. J'aurais peut-être dû faire histoire de l'art. Ah, ici, ok. Je me demande s'il y a une empreinte. Hop. Ok, encore ça une. Va ? Bon, je devrais avoir assez d'empreintes partielles pour reconstruire une empreinte. Vraiment, vraiment, le crossover, il a aucun sens. Hein. Il a aucun sens. Il y a autant des amis IRL que des amis de la moquesphère, que des amis des tartipotes, que des amis virtuels. Enfin, c'est je comprends pas ce qui se passe. What the fuck is going on ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je devrais pouvoir reconfigurer le scanner pour qu'il accepte mes données. Wesh les BG ! Wesh les BG ! Salut ! Si je contourne le capteur optique, je pourrais envoyer mes propres données ? Alors, là il va falloir réfléchir. Ah oui, c'est trop chouette, hein. Je disais ça juste en mode j'ai pas l'habitude. On t'aime tous, c'est ça qu'il faut retenir. Oh, on en a vu des lives incompréhensibles de mi-2014, mais alors celui-là... Oh, il y a eu des pires quand même. Utilise le 49.3 pour le passer. Ah, ok. Bah franchement, heureusement que Nathan est là en fait. Alors attendez. Là, faut que je réfléchisse. En général... Alors attends, j'ai combien de comme ça ? J'en ai deux. En général, quand il y a un moins comme ça, c'est que il faut s'en servir. En général... Non, bah non. Toujours pas, moquette, toujours pas. Alors, attends.
Faut que j'atteigne 5. Faut que j'atteigne 5. Là, je peux pas enlever, non. Je suis obligé de... Bon, c'est quoi? Je vais faire comme si... Je vais faire comme si c'était obligé de passer par là. Mais si, mais si. Mais attends. Et en partant de la fin, ouais, j'avoue. Comment ça? Ah, j'en ai pas qui vont dans ce sens-là? Bah si. Non, si, si, ok, te laisse pas avoir, c'est parce qu'il n'y a pas de courant que ça fait ça. C'est tout. Ok, ok. Donc, on va admettre qu'il faut moins 2. Mais comment je l'ai... Attends. Comment je l'ai fait rejoindre ? Ça, en vrai, ça m'aide pas. Le fait qu'il n'y ait pas le courant, ça m'aide pas. Je vais... J'ai un problème de compteur électrique. Il est disponible, Peter Parker, pour passer réparer ça. Bah écoute, je peux éventuellement essayer de communiquer avec lui. Celui-là, je viens de comprendre, mais celui avec les espèces de batteries, je comprends pas. Oh, c'est cette énigme-là que je suis en train de faire, on dit que tu comprends pas? Mais non, ça peut pas être par là. En fait, je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par là, parce que j'ai trop de tension. Donc. Celle-là, je viens de comprendre, ok. Après, je peux la passer, hein. Mais j'ai envie de la faire. Parce que on est pas des... Hein. J'ai faim, on se commande un truc. Oh, j'avoue, j'ai faim aussi. Pourquoi j'en ai que deux? Pourquoi j'en ai que deux? C'est... Attends. À moins que... Bah non, je peux pas passer par en haut. À moins que je passe par en bas. Mais non, j'en ai pas assez. Enfin, j'ai pas... C'est pas le bon sens. À moins que je fasse... Yo-Yo et Nathan... Putain, mais cette phrase Yo-Yo et Nathan, vraiment, ça m'effraie. Hein. Cette phrase, je la trouve exceptionnelle. Hein. Peut-être que les moins 2, c'est une bait. Ah, un appât. Ah, tu veux dire que... Non, mais si, tu veux dire que je suis pas... Non, si, si, je suis obligé de passer par là. Parce que ma tension, là, elle est de... Ma tension, elle est de... Ah, mais non. Ah, mais putain, oui, non, non, oui, oui. Bon, je suis possédé, en fait, par un âne. Non, 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 Putain, j'ai confondu. Dans ma tête, ma tension était de 5 et fallait que j'aille à 2. Mais en fait, non. C'est l'inverse.
Attends, j'en ai pas un. Ok. Non. Non, mais ok, c'est pas comme ça qu'on joue en fait. L'âne de Shrek au moins. Oui. Eh, hey, salut mec! Eh, hey, c'est Eddie Murphy, mec! Un nouveau futur duo, putain, yeux. En vrai, c'est plus Pokeya qui fait des qui faisait des... Enfin, maintenant, ça va. Mais avant, il faisait des vraies blagues de merde. Comme... un peu comme Nathan. Mais maintenant, ça va. Alors, attends. Comment je passe, là? Non, non, non. Voilà. Ah putain. C'est bon, j'envoie l'empreinte demain. J'ai complètement vu le truc à l'envers, quoi. Mais alors, bien comme il vaut. C'est ouvert. Super, qu'est-ce que tu vois? Ils sont vivants. On dirait qu'ils ont été endormis. Aucun signe de lutte. C'est pas le genre d'Hammerhead. Mais si c'est pas Hammerhead, alors c'est qui? Y a une vidéo? Je vais voir. Quelqu'un a désactivé la caméra 5. Ah, ça c'est louche. Je vais la réactiver pour voir ce qu'il voulait que personne ne voie. Elle est tournée vers l'un des tableaux de l'exposition. Ah, c'est sûrement la Maria. Il a pas encore été volé. Je dois aller voir de plus près pour trouver ce qu'il a de si spécial. Alors sache, Pokeya, que j'ai perdu l'innocence, le compte millénaire m'a eu, je valide cette blague à 200%. Mon message est valable pour Nathan et Yuyo, mais aussi tout le monde ici. Premier degré, si vous voulez que je vous fasse livrer parce que c'est compliqué pour vous, dites-le moi. Quoi? Quoi? La Maria est un exemple parfait d'impressionnisme pastoral moderne. L'histoire de ses nombreux vols et réapparitions est presque aussi passionnante que l'œuvre en elle-même. Ce tableau m'a l'air plutôt normal. C'est le cas. Il y a des trucs bien plus précieux dans ce musée. Alors pourquoi la Magia est tellement obsédée par cette œuvre? Attends, MJ, quelqu'un arrive. Ouf! Ouvrez l'œil! Spider-Man est peut-être encore ici. Non. Ah merde! Elle est derrière une vitre de sécurité. Hé! Hey, dites à Frank qu'on va devoir sortir les gros calibres! Oula! Contre-titre. MJ, les gars d'Hammerhead ont appelé des renforts. Ils m'ont pas encore repéré. Tant mieux. Fais en sorte de rester invisible. Ah ouais? Faut que je sois discret là? Ces mecs qui sortent du bureau et qui vont coller des trucs. Et qui vont voler des trucs. Qu'est-ce qu'on se... On n'arrivera pas à casser cette vitre de sécurité. Occupe-toi de ton boulot et laisse les autres s'occuper du leur. Position caca. Arrêtez, putain. Le pauvre. Mais alors du coup, faut pas que je me fasse repérer? Éliminer les voyous. Oh, les petits voyous. J'aime pas ça. Ah, mais jamais je me fais pas repérer, hein. Salut. Jamais je fais dans la discrétion, moi. Il y a beaucoup trop de monde. On parle pas mal de Spider-Man. Ah, n'empêche, ils m'ont pas repéré, hein. Oh là. Là, c'est peut-être un peu chaud. Non, c'est pas que je suis nul en discrétion, c'est que là j'en vois pas du tout l'intérêt. Il y a beaucoup trop de monde et le terrain est beaucoup trop chiant pour Les flics vont pas tarder. Ah, fais chier. On pense qu'on peut et on se tire.
Alors déjà le vocabulaire. Ah. Les autres œuvres. Je dois les arrêter avant qu'ils arrivent à sortir. Écoute-toi là. Bon, il y a qu'une seule issue. À l'aide. Oh putain. Toi là avec le. Oh là là. Non mais je m'en fous de tes potes. Oh putain mais je. Ah, il est en train de filer. Mais t'es où en fait? Oh putain, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté juste devant sa voiture. Tu stops quand, Aureleto? Dans une grosse demi-heure environ, je pense. En général, on fait 17h30, 20h30. 17. Oh, ah. J'aurais dû. Voilà la sortie. Tu dois y arriver. Oh merde, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre. Ouf. Non, il est vivant. Vous en faites pas, il est vivant. Je vous assure qu'il est vivant. On est un héros gentil. Hein. Je vous assure que la nuque qui s'est brisée sur l'escalier, ça va. Ça va faire mal. Non. Ah, attends, il y en a deux là. Oh là là. Sa nuque fait un angle bizarre. Non, tout va bien. C'est normal. Aïe, oh non, et sale chien là. Non mais pas eux, vise pas eux. Allez, y a peut-être des cours d'art en prison. Il y en a encore un là-bas, ok. Il y en a encore deux là. Ok. Alors, lui il arrive. Ah non, il est déjà là, ok. Il est où? Il est là. Et l'autre il est là-bas. Bah, plus maintenant en fait. Alors théoriquement, c'est pas des chiens mais des humains selon analyse. Oui, après. Tu les connais pas personnellement, que je sache. Alors, salut. Putain, ils font tellement pitié. Tu sais, ils ont zéro armure, ils ont zéro arme et tout. Juste, ils speed avec leur tableau. Aïe. Enfin. Il a du goût, mais il a pas pris les bonnes décisions. Ah bon. Toi non plus que nous sachons. Oui, c'est vrai. Who let the dog out, exactement. Ils volent tous la même merde rouge. Ils volent tous des cartes Pokémon là. L'homme avec une forte corpulence, il m'énerve. Ah, j'ai pas dit le mot, hein. J'ai pas dit le G-word. Peter, t'es là? Oui? Oui? Ouais, je crois que je les ai tous eus. J'ai pas mal d'œuvres à remettre à leur place. Et la Maria? C'était peut-être une distraction. J'y ai pensé. Je vais y retourner. J'espère que la vitre était assez épaisse. Paroi de sécurité intacte et pare-balles. Personne pourra s'approcher de la Maria. Mission accomplie alors? Espérons. Oula, attends. Je vais devoir raccrocher, je te rappelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se... Elle est en forme? Tu fais du sport? Non. Enfin, si, un peu. Alors, t'es célibataire maintenant? Ou tu termines avec ton ex? Eh ben, ça en fait des questions. Je suis curieuse. C'est un très vilain défaut. Et si tu me disais pourquoi t'es là? Oh, j'attendais seulement le bon moment. Regarde derrière toi. Aïe aïe aïe. Oh, c'est un peu. Tu connais pas Amered?
C'est un peu délicat, hein, l'ex qui te revient alors que tu t'es remis avec ton ex. Oh, c'est con. Parce que, en gros, voilà, faut suivre un petit peu pour ceux qui débarquent. À la base, Peter était avec MJ, puis ils ont cassé avec MJ. Pendant ce temps, Peter s'est mis avec Black Cat, puis il a quitté Black Cat et il s'est remis avec MJ. Voilà. Je pense que c'est facile à comprendre. Je préfère l'ex de l'ex, en fait. Ah bah, Black Cat, elle est très badass. Allez, ça dégage. Non, non, ça dégage. Aïe. Peter, le gros charreau. Ah là là, ah là là. Lui, il m'énerve, lui. Hop là. Oh là là. Salut vous. Oh aïe 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 aïe. Ça va aussi. C'est qui le malade qui fait ça là? Alors attends. Il a tiré depuis où? Je vois pas où il est. Non. Oh putain. Bam. Et la personne à grande corpulence là, voilà, enfin. Un enfer. Ah là là. Putain, c'est lui là avec son bazooka là de fou furieux. Vous êtes dangereux, messieurs, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux pour vous-même, pour les autres, mais surtout pour vous-même. Oh putain. Voilà, qu'est-ce que je disais? Il a tué son pote, il a tué Sasuke. Tiens. Vous m'intimidez. Je pense à l'équipe de police qui doit nettoyer tous les étoiles de Peter laissées après son passage. Oh, j'avoue, quelle horreur. Le truc bien chiant à enlever. Oula. Oula. J'aime bien ton nouveau style. Toi, par contre, t'as pas changé. Tu devais pas arrêter de voler des œuvres? Qui te dit que je suis là pour l'art? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que t'as des vies à sauver. Encore? Hey. Non, non, au secours! Mais où est-ce qu'elle est passée? Peter, est-ce que tout va bien? Désolé, MJ, j'ai croisé une connaissance. Qui ça? Oula. Des embrouilles. Aïe, 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 aïe. Ça dit pas, hein. Ça veut pas dire à la copine, hein. Alors c'est Black Cat qui est passée par le toit. Elle était avec les gars de Hammerhead? Ouais. Elle va me surveiller depuis que je suis entré. Ah, oh, dis-moi que tu l'as pas laissé filer avec la Maria. Non, non. Bien. Elle l'a cassé en deux, il volait une clé USB cachée dans le cadre. Quoi? Oh. Désolé. Il y avait quoi sur cette clé, à ton avis? Bonne question. Je vais me renseigner. Et moi, je vais suivre les empreintes de chat.
toutes les unités, on nous signale une explosion dans les environs de Times Square, Bryant Park. Ah bah toujours plus. Une explosion ? Mieux vaut aller voir. Ah bah toujours plus. T'en penses quoi, The Stellar Blade ? Mais en vrai, vous avez... Alors, vraie question, le chat. Vous avez une ex très 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 rentre dedans qui revient vous voir et je sais pas, genre votre compagne, bon, elle, ça la fait vraiment chier quoi. Genre, vous la croisez comme ça, vous lui dites ou vous êtes en mode non, ça va. Franchement, mais vraiment du niveau de Black Cat, tu vois, genre le danger Black Cat, le Black Cat tiers, tu vois. Là, pourquoi je voulais parler de son... Parce que son bat. j'aime bien ta blague, Lu. J'ai pas de secret, j'en parle. Lu, 20 sur 20. Je viens à dire car je suis quelqu'un qui aime pas chercher les embrouilles. Sinon, c'est le début des problèmes. On lui dit. Je lui casse les gueules. Je lui dis. Rocket, le raton laveur ? Putain, je comprends rien à l'histoire. Il fait du moindre problème un désastre. À quoi ça sert d'empêcher le vol d'œuvre d'art si on le fait sauter ? Pardon ! Bon. De toute façon, il s'agissait de ce type d'œuvre prétentieuse et égocentrique. Je pense que oui, sinon ça va me bouffer la tête. Les secrets, même petit, ça me tresse trop. Ouais, je peux comprendre. Désolé, Jonah. Encore une voiture piégée, on dirait. C'est l'œuvre de quelle famille cette fois ? Toujours à Murred ? Sans doute. Il y en a peut-être d'autres dans le quartier. Appelons les démineurs au cas où. Les démineurs ? Sous des trucs ? Je dois passer au ras du sol. Les démineurs ? C'est ré mineur qu'on dit. Puis maintenant, faut que je fasse. Ouais, je comprends rien au jeu. Et puis, si t'as rien à te reprocher, vaut mieux le dire. C'est vrai. Ok, petit, trouve-moi les autres explosifs. C'est désamorcé. Ah voilà. Localisons les autres. C'est donc ça, Mario Kart 9. Ah merde, attendez, faut que je m'enlève parce que sinon je me vois pas. Après, je disais ça surtout en mode... admettons, tu sais, vous êtes vraiment avec quelqu'un où vraiment ça lui ferait... Genre, ça lui ferait des angoisses de fou de savoir ça, tu vois. Tu vois, je trouve qu'il y a, l'espèce de... Eh mais c'est un délire, pourquoi je le trouve pas ? Mon Spider-Bot entendra la fréquence d'un détonateur à proximité. Attends. Attendez, je suis là, hein. Je me concentre un peu, voilà. Il en reste encore quelques-unes. Encore deux ? Ah oui, là-bas, d'accord. Allez, encore une. Ah. Putain, je suis en train de me concentrer sur mes oreilles. Ah, ok. Je les ai tout tués. Yes. Hammerhead, rigole pas. Va falloir faire gaffe au cas où il en aurait semé dans toute la ville. Ça serait pire niveau angoisse si elle découvre l'omission, même si c'était pour pas faire de mal. Oui, c'est sûr. Allô ? Spider-Man, ici l'inspecteur McKay. Oui ? Un collègue m'a transmis votre numéro. Oh ! Pas la peine de vous demander qui ? Que puis-je faire pour vous, inspecteur ? Je préférerais vous en parler en personne. Vous pourriez faire un saut au commissariat de Greenwich, dès que possible. Il paraît que vous aimez les toits. Je suis en route. Possiblement Patrick, je crois Patrick Borg qui s'appelle possiblement la voix française de Son Goku. Ah, si Bulbo c'était là. Si Bulbo c'était là, il nous le dirait. Les méchants adorent les bombes qui clignotent et qui font bip bip, ça se vend comme des petits pains, j'avoue. De toute façon, communiquer, ça résout bien des problèmes, faut pas hésiter. Oui, bien sûr, moi je pensais surtout à une éventualité de genre
une personne qui a fait beaucoup de mal à la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, après, je dis ça en mode je connais leur histoire d'amour, alors que pas du tout. Disons qu'en fait, un jour, j'ai déjà... Alors après, vraiment, ça me regarde pas. Hein. Et vraiment, je m'en fous. Mais j'ai déjà un peu été une sorte d'alibi. Pas alibi.com, hein, ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Et j'étais en mode... tu sais, je savais pas trop quoi en penser, mais en gros... j'avais revu une ex. Et elle me disait, ouais... par contre, j'ai dit à mon mec que t'étais un pote et tout. Il sait pas du tout qu'on est ensemble et tout, machin. Parce que, voilà, machin, il est grave pas bien s'il savait et tout que c'est toi, machin et tout. Et tu sais, sur le coup, j'étais en mode, bah, je m'en fous parce que de toute façon, je le verrai jamais. Donc, ok, si une ignorance comme ça peut lui permettre de pas se prendre la tête, pourquoi pas. Mais en même temps, j'étais un peu en mode... Ouais, c'est bizarre quand même. Dédicace à Philippe Lachaud d'ailleurs. On l'embrasse, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que Peter a revu son ex à une expo? Oh putain. Allez, Pokéyan attend au fond de la classe. Là. Allez, allez. Allez, ça part. Allez. Allez, tous les deux au fond, allez. Inspecteur Maquet, j'imagine. Merci d'avoir fait le déplacement. J'aimerais vous parler de Black Cat. J'aime mieux pas. Pas de la nouvelle Black Cat, mais de l'ancien. Celui d'il y a 20 ans, j'étais sur l'enquête. Black Cat est une imitatrice? Où est passé l'original? Il est mort en prison, mais on n'a jamais pu retrouver tous les tableaux volés. J'ai une nouvelle piste, mais la police n'y voit qu'une perte de temps et d'argent. La perte de temps et d'argent, c'est un peu ma spécialité. Parfait, allez là-bas. Je vous en dirai plus en chemin. Bah go, en fait. Ça me fait rire, mais j'ai un humour facile. Oh, y a pas d'humour facile. Merci de votre aide. De rien. Plus de partir à la retraite sans avoir résolu cette affaire. Donc, j'ai réépluché le dossier. L'ancien Black Cat faisait dans les œuvres d'art. Mais avant de se faire passer, il a braqué une usine de détecteurs de fumée. Des détecteurs? Drôle d'idée. Pas tant que ça. Il a volé l'américium 241 qu'ils contiennent. On a cru qu'il avait un acheteur, mais en regardant un film l'autre soir, il m'est venu une meilleure idée. Mmh. Et s'il avait marqué l'étoile volée à l'aide des radioisotopes pour les retrouver à sa sortie de prison? C'était quoi le film? Non, 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 me dites rien. Pas de spoil. Donc, j'ai pensé que si on retrouvait la trace des isotopes, elle nous mènera au tableau. Les isotopes? Le scintillomètre de mon costume devrait faire l'affaire. Je vous appelle si je découvre quelque chose. Merci, Spider-Man. Si j'arrive à boucler ce dossier, je me retirerai l'esprit tranquille. Bah, les gongs, hein, t'inquiète. Hein. On s'en charge ici, hein. On est là. Hein. Qu'est-ce qu'il est classe. Non, des tartipotes, il a dit, ah oui. Oui, je crois qu'il a dit tartipotes, oui. Si, rematez le replay, vous verrez, il a dit ça. Je sens que je me rapproche de l'une des toiles volées. Si, par exemple, quand tu es là, seul, à rire dans une salle de ciné. Ah oui, je comprends, oui. Je comprends que dans ces moments-là, tu te dises, bon... un peu étrange, l'ambiance. Je me rapproche de l'une des toiles volées. Aïe. Je me demande bien s'il est creux. Comment ça, je suis... Ah oui, d'accord. Vraiment... Un tube de transport. J'ai atterri pile où il fallait, au pif absolu, quoi. Genre, si ça, c'est pas de la... J'ai trouvé un tableau volé. Ah. Il était planqué dans un faux boîtier électrique. Bien joué, j'en étais sûr. Laissez-le là, j'enverrai quelqu'un. Maintenant, je peux vous transmettre une liste des lieux qui auraient pu servir de cache à Hardy. Ok. Attendez, Hardy, vous dites? Ouais, c'est le nom du premier Black Cat, Walter Hardy. J'aurai plus de détails pour vous la prochaine fois. Des bisous, Colin. Ok, donc là, il me débloque un nouveau type de... Ah, il y a les photos, hein, quand même. Hein. Il y a encore les photos monuments qu'on n'a pas fait. Qui sont affichées, quand même.
L'ancien Black Cat s'appelait Walter Hardy. Et maintenant, j'ai affaire à Felicia Hardy. Ah. On dirait que c'est une histoire de famille. Non mais je le vis bien, c'est juste que je me dis que c'est un indicateur qu'on peut très facilement rire. Peter, le scanner de la police vient de signaler une fusillade à l'angle de Hudson et de Northmoor. Cette zone, elle est pas aux mains de la Magia ? Ici, quoi qu'ait volé Black Cat, ça a dû provoquer une guerre des gangs. Bon, ah. Je vais aller voir ça. Bah super Black Cat. Cambriolage au musée ? Voilà les infos que j'ai. Personne ne sait ce qu'il y avait sur la clé dans le tableau de la Maria. Maintenant que Hammerhead là, attends. Les familles de la Magia flippent complètement. Là, il y a un truc. Ça détourne une voleuse d'œuvres d'art de ses habitudes. Ça doit valoir un paquet. Je me demande pourquoi Black Cat travaille pour Hammerhead. En général, elle bosse seule. Aucune idée. Ça fait longtemps que j'essaie plus de comprendre Felicia. Felicia, hein ? Faut vous appeler par vos prénoms maintenant ? Ah bah, je aïe, aïe, aïe. Bon, bah, on se tient au courant, ok ? Aïe, aïe, aïe. Ah, l'ambiance est délétère, hein. Et ludique qui poste son message toujours fin, exactement à ce moment-là. Si ça, c'est pas une synchronisation folle. Ah, attends, faut, c'est là. Ici. Une autre œuvre d'art. Inspecteur, j'ai retrouvé un autre tableau. Au travail, ça va nous permettre de résoudre un paquet d'affaires. Dites, comment est mort Hardy ? Ben, il s'est noyé en essayant de s'évader de Riker. Bref, ses œuvres vont enfin pouvoir être rendues. Et vous attraperez peut-être la nouvelle Black Cat. C'est ça, parce que c'est bien entendu le plan. Je dois filer, bye. Oui, bien sûr. Putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié. On peut vous aider. On peut vous aider. Hop là, je vais aller là-bas. Bon, j'essaierai de faire toutes les quêtes du père de Black Cat quand même. Parce que c'est des quêtes assez cool pour l'histoire. Ah, j'y arrive, chef. Oh, j'avoue. Oh, le bordel qu'ils font, quoi. Ah, franchement, c'est donc ça le 31 décembre après le Covid. Bam. Ça va, les potes? Comment vous allez? Piou piou. Oula. Un camion de livraison. J'espère que c'est les slips que j'attendais. Sur le site. Je refuse de réceptionner ce colis. Aïe. Bam. Oh là là, ça lui fait. Aïe aïe aïe. Oh là là, mais il est dangereux cet homme. Il est très dangereux cet homme. Aïe. Oh putain, et je me fais mais. Faites-lui lâcher ce qu'il tient dans les mains. Oh là là. Ah, j'arrive pas à viser plusieurs paires. Putain, mais il est trop lourd, j'arrive pas à le... Putain. Oh, la vache. Ah, purée. Oh, putain. Il faut que je fasse gaffe là. Putain. Putain. Là, je vous avoue, je suis pas à l'aise. Hein. Je suis en sueur pour pas mourir. Aïe. Tiens. Allez, mais. Putain, enfin. Oh, il a l'air à l'aise, hein. Il a l'air vraiment en forme. Ah, bonjour.
Bam, ça dégage, en fait. Donne-lui un coup dans les bijoux. C'est bon, je le rends. La pression. J'aurai une réduction de peine si je parle. Vas-y, je t'écoute. La fille avec les cheveux blancs, elle nous a dit de venir ici et de faire du bruit. J'ai la con, et j'en fais un beau. Tu l'as vu où? À la bodega, sur Waverly. Piège à con. MJ, cette fusillade, c'est une distraction. Black Cat l'a organisé pour éloigner les flics de Waverly Street. Mais pécho-le. Les amis de la magia et une planque sur Waverly. Les titres, je crois. Je peux peut-être encore la voir. Felicia prend son temps, en général. Elle est méthodique. Ah oui? Je te tiens au courant. Voilà la boutique. Ok, Felicia, où tu te caches? Felicia, ah. Ok. Elle utilise ça pour les planques. Qu'est-ce que tu regardais, Felicia? Non mais le coup de pression qu'il a fait au gars sans rien dire, j'ai trouvé ça incroyable quoi. Je me souvenais pas du tout qu'il faisait ça. Ah, te voilà. Ici. Hey, salut Spidey. Felicia, la magia plaisante pas. Joue pas trop avec eux. Oh, mais tu sais que j'adore jouer. Il bosse avec la minette. Chopez-le. Alors je bosse. C'est vite dit hein. Oh non encore. Eh, on en a marre hein. Là, vous vous emballez un peu. Je travaille pas pour Hammerhead ou une autre famille. Je suis juste au mauvais endroit au mauvais moment. Tu casses les reins avec ton gros jouet là. Bam. 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 Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Le jeu qui continue de me donner des tutos. Titre, Moketo, méga titre, qu'est-ce que j'ai dit? Ah putain. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Allez, s'il te plaît, couchez, couchez. 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 Tu casses les... Ah oui, oui, c'est vrai. Mais j'avoue. J'avoue que je... Oui, bon. Non, je... Aucun moyen de me défendre. Ah putain. Hé, la vie de moi. C'est une mort imminente, hein. Allez, meurs, s'il te plaît. Oui. On en a marre. Oh là là, comment je l'ai eu au der... Oh, je l'ai eu au poil de cul, hein. Non, la vie de moi, par contre, je vais pas mourir comme ça. Je vais pas mourir comme ça, quand même. Je vais pas mourir comme ça. Hop là. Eh ben, c'était sympa. Mais où est Felicia? Felicia... J'aime bien te regarder. Ça me rappelle de bons souvenirs. Y'a quoi sur cette clé? Je sais pas exactement, en fait. Alors pourquoi la voler? Parce que sinon... Ils tueront mon fils. Ah! Ton fils ? Merde,
possible. Enfin, si, c'est sûrement possible, mais je pourrais... Oh non, 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 je veux pas penser à ça. MJ, j'ai trouvé Black Cat. Allez, elle a filé. Eh ben, c'est donc vrai qu'elle est méthodique. Elle a volé une autre clé USB. Alors chaque famille en a une. Je me demande ce qu'elles contiennent. Est-ce que t'as d'autres infos? Non, pas vraiment, non. D'accord. On dirait qu'elle aide Hammerhead à prendre le dessus sur les autres familles de la pègre. Et ça pourrait mal finir pour tout le monde. Cette ville a vraiment pas besoin d'une guerre des gangs. Je t'appelle si j'ai des infos au sujet de ces clés. Oh non, 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 pas... Ça roule, Spidey ? Oh non, pas elle. Plus grande fan ? Une minute. Oh pitié. Oh pitié. Je sais pas que t'es sorti de prison. Et si, mon petit Spidey ? Et j'ai même emmené quelques-uns de mes abonnés. Ah, franchement, ils sont pas trop cute. Ils m'aident à préparer mon nouveau vlog. Ah, c'est vraiment sympa d'avoir fait un saut. Allez, à plus dans le bus. Oh là là. Quelque chose me dit que ces types ont pas été libérés pour bonne conduite. Alors soyez-en sûr que je ne ferai pas ces quêtes à elle. C'est vraiment la pire invention du jeu. Je pense qu'on va faire cette quête là et puis après on va se laisser là tout simplement parce qu'il est déjà 20h20. Oh là là. Il est infini en fait. Elles reviennent toujours. Et c'est justement le cas aujourd'hui. On m'a dit que certains leur trouvent des excuses. Elles ne sont pas si néfastes. Elles restent. Ah bah allez hop. Désolé, hein, le jeu, hein, monsieur. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Allez, il est temps d'envoyer les fans de Screwball derrière les barreaux. Hey! Je vous promets d'y aller mollo si vous me promettez d'arrêter d'idolâtrer les stars d'Internet. Ah bah ça. Bim. Et ça fait bim. Et ça fait bam. Et ça fait boum. Ok. Bam. C'est bon là ? Il y a un truc qui a pas changé. Screwball s'arrange pour qu'on fasse le sale boulot à sa place. Qu'est-ce qu'il préparait ? Oh, oh cette avec l'ombre derrière, ça rend tellement bien. Ooh. Ooh. On est là hein. Spider-Man ! Oh putain. Désolé, mon planning est plein. Je suis sûre que tu trouveras le temps pour ça. Sinon, mes fans vont se fâcher de tout rouge et des gens vont mourir. Ah, c'est fun ça. J'adore la télé-réalité, pas toi? Certaines sont prêtes à tout pour faire du clic. Voilà. Typiquement, ces défis, je peux vous assurer que nous ne les ferons pas. Parce que vraiment, c'est tellement relou. Défi combat de Screwball, ça c'est pas la cam, hein. c'est pas drôle et elle est très gênante effectivement. Aurelito, tu veux bien que les moquépotes deviennent des tarticompotes? Bah en fait le truc c'est que je pense pas que ce soit trop leur cam. C'est pas trop le même la même vibe je pense. Concentrons-nous plutôt sur Felicia. Concentrons-nous plutôt sur Felicia que sur cette femme. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est pas le même, que c'est pas le même délire. Bon, du coup, on va se laisser là pour cet épisode de Spidey. Donc, du coup, pour ceux qui regardent en VOD, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la Moquette TV et puis, vous rendre sur la suite du Let's Play si jamais il est déjà disponible. Allez, des bisous la VOD.